Alain Labonté, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est à la Maison des Arts de Drummondville, au jardin de Drummondville. Donc, pour un événement particulier, on rencontrait des jeunes scolaires Saint-Bernard. Parle-nous de cette rencontre-là. Oui, tout à fait. Bien, cette année, dans le cadre de Parle-moi d'amour de Drummondville, la campagne lie les milieux des affaires, de l'éducation et de la santé. Et cet après-midi, on a des jeunes de 15-16 ans du Collège Saint-Bernard qui sont venus avec leur professeur pour que je leur parle de santé mentale et à la fois visiter l'expo. Je trouve ça formidable parce que d'amener des jeunes de cet âge-là, de les conscientiser aux problèmes de santé mentale, que l'outil le plus important dans la vie, c'est de communiquer. Ça a été vraiment, vraiment agréable. Je suis content de cette initiative. La réponse est bonne, les jeunes. Écoute, ils étaient intéressés, intéressants. Au début, tout le monde est un peu gêné, mais à la fin, tout le monde a le bras en l'air, venu poser une question. Ils sont conscients qu'ils sont à la merci aussi de ça, des problèmes de santé mentale, que ça passe par l'intimidation, des fois, et tu l'as bien amené par nous-mêmes, tu peux, c'est nouveau. Oui, tout à fait, parce que j'ai posé la question de savoir si certains d'entre eux avaient eu un problème de santé mentale ou dans leur famille, leurs proches, et ils n'ont pas hésité à lever la main. Donc ça, c'était vraiment intéressant, de cette liberté-là, en tout cas, de s'afficher, si on veut. Et le respect aussi des gens, leurs copains, leurs collègues, il y avait, tout était naturel, tout était simple. Et ça a été vraiment un beau moment, je dirais, de la discussion, de se livrer. Et j'ai parlé, bien entendu, moi, de ma mère. Parce que j'avais pratiquement leur âge, la première fois qu'elle a fait une dépression. Le fait que je viens du village ici à côté. Donc je pense qu'en moi, ben, il se croyait un petit peu peut-être à cause de la région et à cause de l'âge à l'époque où j'ai commencé à vivre ces situations. C'était bien senti, effectivement. Donc une belle rencontre. Je vais vous laisser revoir un peu l'exposition. Oui. Et évidemment, on invite encore les gens. C'est aujourd'hui que ça se termine. On clôture l'exposition ce soir. Oui, on attend ce soir. Oh, on va attendre la nouvelle, on ne dévoilera pas de punch, on va attendre la grande nouvelle. Je sens que je vais aller faire un tour. Ouais, super. Tu as bien la beauté, merci encore une fois. Merci à toi.